أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل أخبر الأخير في الحادية عشر والربع. La gélabat de son père, comme il a vraisemblablement la gélabat de son père, celle que Mohamed V portait en juin 1946, au moment où le général de Gaulle l'a fait compagnon de la libération, pour l'honorer de ses appuis permanents, de son appui permanent, durant le deuxième conflit mondial. Il paraît, lors du gouvernement de François Mitterrand, le prince Moulay Rachid, le deuxième prince héritier du roi du Maroc, le fils cadet. Je disais donc qu'on évoquerait bien entendu le Kosovo, puisque le général... Velours vert, étoile chérifienne, garde d'honneur, puisque la plupart de tous ces hommes, qui sont recrutés surtout au sud marocain, le sont sur un critère d'une stature exigée. Qui est 1m80, c'est la stature physique exigée, sauf pour les femmes. D'ailleurs, il y a une seule femme, je ne sais pas si on va la voir, parce qu'elle est petite, c'est un capitaine médecin. On la voit de dos. Un capitaine médecin à qui le roi a demandé de ne pas d'ailleurs serrer ses cheveux dans un chignon, mais de les laisser libre au vent, afin que la foule parisienne la remarque mieux. عز سؤدد ومجد فتنوعه الجغرافي وثراؤه الطبيعي جعلت من هذا الحسن عشت للوطن عشت الحسن عشت للوطن